Bienvenue, fidèle ami internaute, partout où vous vous retrouvez. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Si c'est le matin, je vous dis bonjour, en beauté bonjour. Si c'est le soir, je vous dis aussi bonsoir. Je sais que quand vous nous retrouvez comme ça, vous êtes déjà rempli de joie de reconnaître qu'on est encore là pour vous ramener des bonnes choses. Hein, comme on vous avait toujours promis que chaque semaine, il y aura toujours des news, il y aura toujours des vidéos encore que nous allons commencer à mettre pour vous. Mais cette semaine, vous avez remarqué la semaine passée, nous étions là absents, hein, donc nous étions absents et maintenant nous revenons encore. C'était par rapport à un souci, un petit souci que Sabrina Yoko avait à l'œil, donc elle avait subi l'intervention à l'œil, mais aujourd'hui vous allez remarquer qu'elle est tout le temps bonnée avec son truc à l'œil dans son anti-solaire, mais ça passe bien. Comme on vous aime, on est encore là. J'ai dit bonjour, je suis passée, je suis avec Maman Tina, l'enseignante Moulaki. Bonjour Maman Tina. Bonjour Maman Mireille. Bonjour Sabrina. Bonjour Maman Mireille. Tout le plaisir est pour nous, fidèles amis internautes. Merci beaucoup de renouveler tout le temps la confiance. Hein, donc nous sommes là. Aujourd'hui Maman Tina, nous allons parler d'un sujet à qui ça dérange la population partout où ils achètent des crèmes, ils utilisent, mais ils ont remarqué qu'il y a un problème de vergeture ici au Congo, chez nous on appelle Louta. Hein, donc, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Maman Tina pour découvrir de merveilles de son institut de beauté qu'il vous a mis. Cette dame a mis pour vous gratuitement, vous ne payez rien du tout, mais vous profitez de beaucoup de choses. Comme l'autre fois on a parlé et de soins de visage, comment les gens disent de n'importe quoi, mais cette fois-ci, elle a mis encore une formation pour vous apprendre comment les vergetures que vous avez là, que nous autres aussi nous avions avant, mais aujourd'hui, je vous dis ça n'y est pas, mais Maman Tina va nous faire découvrir comment ça vient et puis comment traiter le vergeture. Maman Tina, encore de surprise. Pourquoi le vergeture? Maman Mireille, merci beaucoup. Je crois que c'est un sujet tabou. Je demanderai aux gens de bien suivre cette émission, tout de comprendre, pour essayer soit de l'éviter, soit de le traiter. Le vergeture, c'est une façon qu'on va dire une fissure de peau. Donc la fissure de peau ne vient pas naturellement. On va voir plus loin qu'il y a des vergetures naturelles. Mais la plupart des cas, parce qu'on traite mal sa peau, parce qu'on ne prend pas soin réellement de sa peau. Et généralement, quand je dis qu'on ne prend pas soin réellement de sa peau, parce qu'on met n'importe quoi sur sa peau. Je vais donner un exemple. Dans les jours passés ici à la RDC, il y avait des dames qui mettait du ciment qu'on construit la maison pour s'éclaircir. Ah bon? Donc, la dame qui veut devenir claire des peaux, elle dit les crèmes, ça va me donner du retard. Je prends du ciment, je mélange avec de l'eau, je mets. Et après, cette dame va être cramée, va être brûlée, comme si elle avait la brûlure de feu, de cheveux. Et quand les peaux vont s'en aller, regardez quand vous êtes brûlée, quand une peau part, à cet endroit, vous devenez blanche. Et c'est ce qu'elle faisait. Et devenait blanche, ça faisait une apparence d'une peau belle. Une personne comme ça, je peux dire qu'elle a vraiment agressé sa peau. Bien sûr. Et cette peau, à la longue, peut donner beaucoup de conséquences. On va de l'autre côté, une dame qui toute sa vie ne connaît que des cortisones. En fait, elle fait monter des cortisones sur sa peau. Les cortisones, pour les gens qui peuvent pas comprendre, c'est des produits pharmaceutiques destiné aux maladies de la peau. D'ailleurs, en Europe, ces cortisones, s'il vous plaît, ça se vend qu'est sous ordonnance. Mais en Afrique, les cortisones sont vendues sans ordonnance. Vous allez à n'importe quelle pharmacie, vous demandez, on va vous donner. Même si vous voulez tout un carton de cortisone, on va vous vendre. Les cortisones sont des facteurs aussi qui favorisent l'apparition de mutations de peau. On va de l'autre côté, quelqu'un qui se lave, elle croit que si elle se frotte d'une façon brutale ou forte, elle va devenir plus claire. Vraiment. Donc elle va prendre des éponges dessinées aux vaisselles, elle va commencer à se frotter avec. Or, ces éponges sont trop fortes. Elle va avoir des déchirures invisibles. Comme cette personne met l'hydroquinone, évidemment, les doutes vont apparaître rapidement. Maman Tuna, comment expliquer on trouve des gens qui ont de vergetures? C'est dire quoi?
Merci beaucoup pour ta question. Je vais vous dire une vérité. Toutes les peaux, quand Dieu a créé l'homme, c'était pareil. Que ce soit l'homme ou la femme, il nous a différenciés seulement par le sexe. C'est tout. D'ailleurs, les hommes mettent l'hydroquinone aussi, les femmes aussi en mettent. Les hommes mettent des taches d'hydroquinone, les femmes aussi en ont. La différence entre nous, les hommes, c'est que par rapport à nos sexes. Moi, j'ai connu beaucoup des hommes qui ont des doutes incroyables, ils ne peuvent même pas mettre des t-shirts, ça se voit visiblement. C'est pourquoi sur ces plateaux, on est en train de trouver des solutions et surtout des remèdes. Voilà. Merci beaucoup, maman Tina. En tout cas, elle est là, la grande dame est là, vraiment, elle est là, très mieux placée pour répondre à toutes vos préoccupations. Fidèle ami, je vous ai toujours dit qu'il faut vous abonner pour découvrir de merveilles de ces sites. Hein. Donc, il y en a plein, il y en a plein aussi, mais avec maman Tina sur YouTube Africargo, vous allez découvrir beaucoup de grandes choses. Hein. Maman Tina, et qu'en est-il pour ceux qui n'utilisent pas tout ce que vous avez énuméré comme le bain de se frotter brutalement et tout, mais apparemment ils ont des vergetures aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter tout cela? Je crois qu'on devait commencer déjà à dire les formes de vergetures et leur provenance. Là où je vous ai donné un exemple où les gens, je vous ai dit, ils ont agressé la peau, ils n'ont pas respecté les normes. Évidemment, il y a des hommes ou des femmes qui naissent avec une peau qui a la longue sortie de nous, une vergeture comme on est en train de dire. Une fois dans mon institut, j'avais reçu d'ailleurs cette femme que je salue, maman Francie, elle m'avait amené son enfant de 10 ans, sa fille, elle avait des vergetures. Et Dieu merci, j'avais aidé cette gamine à faire disparaître ses vergetures. Ça, c'était les vergetures de naissance. En fait, elle est née avec une peau qui est très fragile. Peut-être à l'encontre seulement des savons, des toilettes. Il y a d'autres savons qui sont faits avec beaucoup de parfums. Il y a d'autres savons qui sont faits avec beaucoup de coloration. Et tout ça là, ça n'a pas permis à la peau de suivre son cours normal. Et c'est ainsi que cet enfant à l'âge de 10 ans se retrouvait avec des vergetures. Il y a un autre facteur naturel, quand l'enfant prend trop du poids. Vous voyez une gamine de 12 ans, on la donne 16 ans. Là aussi c'est dangereux. Donc avec la grosseur, il peut y avoir des craquements de la peau et puis il y a les fissures des doutes qui apparaissent. Là, c'est vraiment dans des cas naturels. Et c'est rare d'ailleurs. Et beaucoup des hommes aussi sont dans ces cas naturels. Parce qu'il y a des hommes qui ne mettent pas des doutes, qui n'agressent pas leur peau. Mais ils sont nés. Ils sont victimes des doutes, des vergetures. Et en fin de compte, on va voir ce deuxième cas. Donc les gens qui agressent la peau, et puis le deuxième cas déjà, qui n'ont pas fait du mal à leur peau. Naturellement, ils ont des vergetures. Vraiment. Il y a le troisième cas que je vais vous énumérer, madame, il est très important, c'est l'accouchement. Ah bon? Évidemment, dans l'accouchement, quand, avant de tomber enceinte, vous avez votre ventre normal, mais avec les bébés, le ventre grossit. Ça prend d'ampleur. Et évidemment, quand vous accouchez après, le ventre va se rétrécir. Donc, vous n'aurez pas récupéré la même peau que vous avez. D'ailleurs, généralement, quand on n'entretient pas bien son ventre après l'accouchement, d'ailleurs, on va sortir un thème là, après, au notre sujet de notre émission. Donc, l'accouchement et après l'accouchement, on va parler du ventre. Mais pour aujourd'hui, on se limite au doute. Il faut tout le temps garder, hein, maman Tina. Il y a beaucoup de sujets. On peut laisser toute la vie à parler de beaucoup de sujets. Donc, comme aujourd'hui, c'est spécial vergeture. Donc, à l'accouchement, on peut se retrouver avec ces cas de vergetures. Oui. Là, on énumère les troisième cas d'accouchement. Le quatrième cas, c'est le cas de régime. Quelqu'un qui est un peu énorme, avec plus de poids, la graisse et tout, se décide à maigrir. Et c'est bien de maigrir, mais il faut le faire progressivement. Cela veut dire, si vous vous décidez à perdre 1 kg chaque 2-3 jours, c'est intéressant. On ne va pas dire, je vais prendre 1 kg tous les jours. D'ailleurs, pour votre santé, c'est très dangereux. Vous pouvez tomber sur les pommes dans la rue. Vous pouvez avoir des carences par rapport à votre santé. C'est pourquoi c'est conseillé de maigrir progressivement. Vous dites, chaque semaine, je dois perdre 1 kg. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Vraiment.
Et vous, vous avez dit non, je dois séduire, je dois être fine, j'ai une fête de mariage, je dois me marier, je dois perdre 10 kilos en 3 semaines. Et cette façon-là de maigrir très rapidement, ça peut favoriser aussi l'apparition de doutes sur votre peau. Parce que le peau subit une action agressive. Parce que même à l'enfant, la peau a marché tout doucement jusqu'à ce qu'il marche bien. Donc, vous avez une peau qui était énorme. Si vous voulez la rétrécir, il faut aller tout doucement. Rétrécissement fort, pire, direct, l'apparition des vergetures. Ah oui, en tout cas, je suis très surprise. Hein. Je sais aussi que nos fidèles internautes, eux aussi, ils ont sursauté sur la fauteuil de savoir quatre déjà grands causes de vergetures, maman Tina. Mais j'ai pas fini, maman Mireille. Il y en a plus. Évidemment, on va passer dans la cinquième position. Ah oui. C'est pendant les sports. Parce que quand on fait du sport, on subit pas mal d'efforts. Et généralement, même quelqu'un peut mourir en faisant du sport fort. On a vu quelqu'un qui est tombé dans le sein du foot, dans le terrain du foot, il est mort. Donc quand on fait du sport, on doit savoir doser. Évidemment, en faisant trop de sport, en soulevant par exemple, je prends l'exemple des hommes, ils prennent du poids pour se faire des muscles. Et à ce moment-là, quand ils se musclent, évidemment, la peau aussi peut craquer. Parce qu'il y a un poids. Évidemment, ça craque et tu as des fissures et c'est les vergetures. Et d'ailleurs, les femmes aussi, parce que j'ai trop couru et grossi, je dois faire du sport pour mon corps. En faisant du sport aussi, les doutes peuvent apparaître. On va clôturer sur le sixième point. Donc, c'est stressant. Les doutes, les vergetures, comme je vais dire, je suis rentré dans les doutes, mais c'est les vergetures. C'est une maladie très, très sévère. Et dur à faire partir. Donc je vais clôturer sur le sixième point, quand on met les habits trop serrés. D'ailleurs, quand vous mettez les habits trop serrés, vous allez avoir tendance à gratter. Parce que la peau ne supporte plus, ça commence à transpirer à l'intérieur et vous avez besoin de gratter. Et quand vos pores sont ouverts comme ça, par la transpiration, parce que les habits sont serrés, par exemple des jeans ou des gaines. Souvent les jeunes filles, quand ils ont du ventre, mettent des gaines pour rétrécir le ventre, les fesses. Et en ce moment-là, quand cette peau transpire, qu'il n'y a plus d'air qui rentre, il n'y a plus d'air qui sort, ça va vous donner envie de gratter. Et en ce moment-là, quand vous grattez, c'est une façon que vous sortez vos vergetures. Donc, quand vous voulez mettre des choses serrées, quand vous avez envie de gratter, il faut éviter de gratter. Là, je vous ai donné les 6 raisons de cause de vergeture. Vous allez voir si vous êtes dans ces cas-là et vous allez essayer de remédier. Mais les remédier, si les vergetures sont là déjà, je crois que ça pose un problème. Vraiment bravo à maman Tina, parce que tu y as vraiment, maman, épuisé tout ce qui nous dérange. Je sais que toi aussi tu avais un souci comme ça. Maman Tina est venue pour remédier à tous ces problèmes, parce que là vraiment tu nous as mis dans une position, on ne sait pas où c'est caché, maman Tina, donc il y a une solution. Merci maman Mireille. D'ailleurs, toutes les dames qui viennent acheter ma crème cosmétique, elles viennent pour les tâches. Et presque toutes me disent que j'ai aussi des vergetures. C'est ma préoccupation majeure dans mon travail. Le traitement des vergetures, ça n'existait pas. Moi, je vis 30 ans en France. Je regarde la télé, je vois tous ces pubs qui défilent. J'ai vu des gens qui ont acheté, échangé. Ils ont gaspillé leur argent, je crois. Vous pouvez vous-même vous rendre compte si vous avez acheté ces crèmes-là. Ça n'a pas marché, tous ces pubs. Heureusement, les traitements de vergetures existent ici en Afrique. J'ai essayé d'additionner les huiles essentielles pour en créer cette huile magnifique en face de moi. C'est une huile qui traite les vergetures. Évidemment, j'ai vu qu'à Chili aussi, ils ont une huile aussi qui traite les vergetures. J'ai été d'ailleurs acheter ça à Amazon, mais son prix m'avait reculé. L'huile musqueuse, vous allez aller voir. C'est trop cher. La petite bouteille comme ça, 20 euros. Si tu dois mettre à toute une cuisse, tu prends les bras. Ça ne suffira même pas. T'en sortir. Dieu merci, je suis revenu chez moi dans ma forêt. J'ai fabriqué cette huile miraculeuse qui fait disparaître les vergetures. Et j'en suis
fière. Donc, je vous ai peut-être dit toutes les conséquences, tout ce que vous devez éviter pour ne pas avoir ça. Et déjà pratiquer ça. Mais on peut l'utiliser pour la prévention aussi. Mm-hmm. Parce que ceux qui sont déjà dedans peuvent utiliser l'huile de vergeture. Ils vont additionner ceux qui sont dedans avec la bave pure, la bave d'escargot. Parce que cette bave-là va restituer la peau, ça va rassembler les tissus écartés. Parce que dans la bave d'escargot, nous avons l'allantoïne. Et cette allantoïne va essayer de réparer cette peau abîmée. Donc après, vous allez mettre votre huile vergeture. Ça, c'est une chose, je demande merci au bon Dieu, parce que les cas de vergeture, c'est devenu grave. Et d'ailleurs, beaucoup se privent même à mettre des habits décolletés, vraiment, parce que c'est tellement visible et c'est pas bon à voir. Merci beaucoup, maman Tina, il est temps d'énumérer tous les soucis qui nous rapportent toujours de vergeture. Mais maman Tina, croyez-vous vraiment que avec des gens qui ont des vergetures très visibles et qui sont vraiment très atteints, peuvent être guéris à travers cette huile que vous avez fabriquée? Évidemment, maman Mireille, il ne faut pas être saint Thomas. Surtout quand tu as ces problèmes-là, tu n'as pas de solution. Parce que moi, en France, je recevais des gens qui venaient acheter ma crème, qui me montraient même des pots, ils amenaient. Ça, j'ai commandé aux États-Unis, ça, j'ai commandé de l'Angleterre. Mm-hmm. Il n'y avait rien qui enlevait des vergetures. Je le savais déjà, maman Mireille. Mm-hmm. C'est pourquoi j'avais dit, en tout cas, il faut que moi je cherche la solution. Comme je cherchais pour les tâches, maman Mireille. Mm-hmm. Parce que je suis une battante dans la beauté. Je veux toujours arriver jusqu'au sommet. L'huile qui est en face de vous, moi j'appelle ça l'huile miracle. Ça enlève les vergetures. En plus, ça ne va pas s'arrêter seulement aux vergetures. Cette huile va faire trois choses à la fois. Trois années. Comme d'habitude, toutes mes choses sont trois années. Vraiment. Moi, j'ai remarqué les gens qui ont des vergetures quand ils mettent ça. La peau devient lisse et épaisse. Mm-hmm. Et en plus de ça, elle va quitter en matière de peau. Quand vous avez des casses de cheveux, vous mettez cette huile, ça fait pousser aussi les cheveux. Ah, oui. Donc il y a trois choses. Ça va faire les vergetures, la peau et le cheveu. Eh bien voilà, fidèle ami internaute, il faut appliquer cette huile, il faut acheter même. Parce que moi qui vous parle là, j'avais de vergetures énormes. Donc, chez nous ici à Kinshasa, on appelle ça mbende. Donc, vous allez en douter. Et ça a vraiment salité ma casse. Les gens me disaient ça, mais grâce à maman Tina, la grande dame que moi j'ai l'habitude de l'appeler panneau solaire, éclairage public. Quand elle a vu Mendouta, elle avait vraiment des soucis. Elle avait le souci de m'aider. Et c'est grâce à cette huile que j'ai utilisée, j'ai appliqué. Voilà, je n'ai plus de vergetures. Je vous conseille seulement d'appliquer, d'acheter. Et il faut vous abonner. Quand vous abonnez dans notre site YouTube, là, vous allez découvrir tous les secrets que maman Tina réserve pour vous. Et moi, je suis là. Il y a des photos qui passent là. Ce sont mes images. Le vrai. Donc, moi, Sabrina, quand j'étais sans maman Tina, mais grâce à maman Tina, aujourd'hui, je n'ai plus de vergetures. Je porte même des habits décolletés. Je suis là un peu sexy de fois sur le plateau pour vous présenter cette très belle tranche. Voilà, abonnez-vous et faites confiance à maman Tina et surtout à cette huile, parce que c'est grâce à cette huile que moi je suis guérie, j'ai retrouvé ma beauté, j'ai retrouvé mon corps, je mets des habits décolletés, je suis la sexy même à la maison, même quand je suis invitée quelque part, je mets des habits sexy malgré mon poids, malgré mon corps, mais je n'ai pas de vergetures, ça je vous assure, je n'ai pas de vergetures parce qu'il y a des photos qui sont là, ce sont mes images, quand j'étais sans maman Tina et me voilà aujourd'hui avec maman Tina, faites confiance. Secret miracle, abonnez-vous. Faut appeler, faut pas résister, faut appeler. Parce que ces derniers temps, qu'aux Alanandouta, je vais dire ça lingala pour une très bonne compréhension. Ces derniers temps, qu'aux Alanandouta, tombende, et ça vraiment cause à la salité. Et surtout que n'est katakawana le roi batera, so comme une autre le roi boulevard. Waouh, ça fait car. C'est très sale. Tu vois, et ça, quand d'autres m'en cassent, c'est comme des écailles. C'est même pas beau à voir. Nous sommes des femmes, il faut se faire belle. Il faut se faire très sexy. Et aux soignants d'autres, quand on a huile, on m'a dit, à saler les bisous et à vergetir. Abonnez-vous dans notre site YouTube. Abonnez-vous. Il faut appeler et faites confiance à maman Tina. Elle est la panneau solaire, éclairage public. Nos numéros sont là. Abonnez-vous, appelez et il faut acheter. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez suivi comment Sabrina l'a dit. Donc, les images, déjà, ça prouve
découvre que c'était grave, mais après avoir vu Maman Tina, tout change. Toi aussi, tu as eu la chance d'écouter Maman Tina, de suivre toutes nos émissions que nous mettons à votre disposition. Donc, dis-toi déjà qu'il était sauvé la terre. Donc, il n'y a pas de question de ces soucis encore, hein, Maman Tina. Nous sommes déjà presque à la fin de notre tranche d'animation. Bon, nous sommes déjà, c'est l'animation parce que ça bouge, hein, donc c'est l'émission que Maman Tina met à votre disposition. Maman Tina, nous sommes arrivés à la fin. Mireille, moi je donnerai seulement un conseil à tous ces gens qui m'ont suivi aujourd'hui, mm-hmm. de ne pas utiliser les produits forts, mm-hmm. ni les parfums trop proches du corps, de savon trop parfumé ou trop coloré, de ne pas se gratter trop fort et de ne pas mincir d'une façon brutale. Donc, si vous respectez tout ça, vous mettez votre huile vergeture en prévention, vous n'aurez pas de problème. Je vous aime beaucoup. Du coup, on va se retrouver aux nouvelles éditions. Qu'on garde toujours secret le thème qui va suivre. Et puis, je voudrais vous annoncer, très bientôt, je serai avec vous à Paris. Je ferai un crochet à Londres, en Belgique, si Dieu veut, en Allemagne. Parce que je vais rester vraiment longtemps, je crois 3 mois. Et ça serait pour vous ouvrir un coin pour venir acheter vos crèmes miracles, vos huiles sans courir après Marie, qui habite à Vaupillon en banlieue, après ses révisions. Donc je ferai cet effort de venir vous ouvrir un truc à Paris. Bye bye, on se verra très bientôt. Je crois d'ici 2 semaines, je serai à Paris. Qui commence bien, finit bien. Maman Tina vous a déjà annoncé son arrivée, donc elle sera là en France. En tout cas, vous êtes déjà aérobique, hein, donc vous êtes sauvé la tête, donc il n'y a pas de souci parce que Maman Tina elle-même sera là. Toutes nos questions que vous avez, vous pouvez garder ça dans vos coffres pour exposer devant Maman Tina. Et elle a fabriqué beaucoup de crèmes, hein. Ce n'est pas seulement l'huile pour sauver les gens qui ont de vergetures, mais il y a plein de trucs, plein de secrets. Il y a de crèmes du jour, crèmes de nuit, il y a plein de choses pour vous échapper de toutes les ruines de la nature, hein, parce que faites attention, hein, les gens vous mentent très beaucoup là, donc ils vous amènent des choses qui vous abîment. Prenez toujours contact, gardez toujours nos numéros, il faut vous abonner, en tout cas ne restez pas hors de notre chaîne YouTube qui est Africargo Maman Tina. Et vous aussi qui avez la chance de découvrir Maman Tina dans nos vidéos sur YouTube que nous mettons à votre disposition, ne zappez pas, restez toujours là. Il faut faire aussi les liens, il faut partager sur Facebook pour aider aussi les amis qui n'ont pas encore suivi et pour garder toujours contact. Moi et la grande équipe, nous vous disons au revoir au prochain numéro.